problème? J'ai l'impression qu'on est suivi par une voiture depuis un moment. Où sommes-nous? Dans la cour du restaurant que j'ai appelé tout à l'heure pour réserver. Mon restaurant préféré. Je doute que votre sœur vous serve à dîner à une heure pareille. Vous avez raison. En plus, elle ne sait pas cuisiner. Mon sac? Laissez-le dans la voiture. Vous vous êtes sauvé de chez vous? Oui. Vous n'avez pas envie d'en parler? Non. Encore merci. Pourquoi? Pour m'avoir conduite jusqu'ici. C'était un plaisir pour moi. Pourvu que ça dure. Voici votre table. Oui, merci, c'est gentil. À tout. Pour moi, ce sera un foie de veau et un verre d'eau. Bien. Et aussi un bourgogne. Un bourgogne, merveilleux, c'est parti. Que fait votre sœur à Munich? Elle est étudiante en sciences naturelles. Est-elle au courant de votre arrivée? Non. Non, merci, ça suffit. Si on parlait un peu de vous, vous n'avez pas arrêté de me questionner. Que faisiez-vous à Innsbruck? J'ai participé à la vente d'un tableau. Et ça consiste en quoi? On fait une expertise. Vous êtes expert? Oui. Et ça vous a rapporté combien? 10 millions de shillings. Pas mal. Qui peut bien acheter ce genre de choses? Des collectionneurs privés, des musées. On y va? Je vais essayer de rappeler ma sœur. Je vous attends dans la voiture. Excusez-moi, où se trouve le téléphone? Juste au coin, à gauche. Merci. Alors, ça vous a plu? C'était parfait, merci. Bon retour. Oh, c'est plus très loin. Et surtout, n'oubliez pas de revenir. Comptez sur moi. J'espère. Bonne nuit. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah! Un peu de patience, la voiture n'est plus très loin. Tiens bon, allez. Tiens, regarde celui-là. Je suis sûr qu'il est encore plus sous toi. Peut-être, mais lui, il est capable de conduire. Si c'est toi qui prends le volant, je rentre en taxi. Aucune crainte, c'est moi qui ai les clés. Et venez voir un peu. C'est pas normal. Elle était de taille moyenne. Oui. Elle avait des cheveux longs, raides. Désolé, mais il va falloir passer demain au poste pour votre déposition. Mais pas de problème. À quelle heure? 9h. 9h. Et encore merci. Bonsoir. Alors, ils ont vu quelque chose? Une voiture qui est sortie à tout à l'heure du parking en direction du nord. Elle était de couleur claire. C'était un véhicule de tourisme. À mon avis, il devait s'agir d'une berline qui a été légèrement endommagée parce qu'il a percuté un autre véhicule en sortant. Immatriculation? Non, non. Il y a autre chose encore? Oui.
Coupable, mobile, arme du crime, et le tout sur un plateau d'argent. Qui est la victime ? Un dénommé Arnaud Wessel, 70 ans environ, domicilié à Heimenstrasse. Le restaurateur a dit qu'il le connaissait. Il venait souvent ici, c'était un marchand d'objets d'art. Était-il seul ? Ah non, il n'était pas seul. Le monsieur était en compagnie d'une jeune fille. Quel âge ? 20 ans tout au plus, d'après le restaurateur. Et selon lui, c'était une autostoppeuse. Nous avons retrouvé une note d'essence dans le portefeuille de Wessel. Cet homme était encore à 18h à Innsbruck. D'autre part, sur la banquette arrière du véhicule, il y avait un sac de voyage, sans doute celui de la fille. Avec un passeport, j'espère. Malheureusement, non. Ah. Et cet homme, il a été abattu dans son véhicule ? Un bout portant, s'il vous plaît. Le coupable a été obligé de monter dans la voiture. Ouais, il a dû l'attendre tranquillement dans sa voiture pendant que le dénommé Wessel et la jeune fille dînaient au restaurant. La description est-elle suffisante pour un portrait robot ? Je pense que oui, le restaurateur va passer demain matin au poste. Est-ce que vous pensez que cette fille est mêlée à ce meurtre ? Ouais, il y a des chances. À moins qu'elle n'ait pris la fuite en voyant le meurtrier. Dans ce cas, je ne donne pas cher de sa peau. Je t'en prie, décroche. Allô ? Claudia ? Qui est-ce ? Birgit Farner. Qui ? Birgit, la sœur de Christine. Christine Farner. Ah, ça y est, j'y suis, Birgit de Innsbruck. Oui, je suis à Munich. Je n'arrive pas à joindre ma sœur. Non, elle est en voyage. Je peux venir chez toi ? Maintenant ? Je t'en prie. Que se passe-t-il ? Il y a quelqu'un qui me suit partout. Je suis en danger de mort. Où es-tu ? J'en sais rien. Quelque part en banlieue. Écoute, le mieux, c'est que tu prennes un taxi. D'accord. Il existe bien deux Wessel, l'homme qui partage ma vie, Holger Wessel, et son oncle, Arnaud. Il habite l'étage en dessous. Et vous, vous êtes madame ? Augustine. Désirez-vous boire quelque chose ? Non, non, merci. Quel est l'objet de votre visite ? La police dans la maison à 7h06 n'est pas par hasard. Malheureusement, non, je suis désolé. Arnaud Wessel est mort. Mort ? Ah oui, il a été abattu dans sa voiture. Excusez-moi, mais ça n'a pas l'air de beaucoup vous toucher. Oui, je ne sais pas quoi dire. Ces derniers temps, nos relations n'étaient pas très bonnes, je l'avoue. Et pourquoi ? Il ne m'aimait pas. Il ne voulait pas que j'habite ici. Veuillez m'excuser un instant. Il faut le boire frais. Où est-ce que ça s'est passé ? Connaissez-vous le restaurant, le Berntal ? Oui, j'y vais souvent. Ça s'est passé ce soir sur le parking. Il est parti en voyage il y a 2 jours. Pour Innsbruck, si je ne m'abuse. Et je ne l'ai pas revu depuis. Quel était l'objet de ce voyage ? Les affaires, certainement. Il vendait des objets d'art, n'est-ce pas ? Oui. Pouvez-vous me dire comment Holger Wessel gagne sa vie ? Il travaille dans la société de son oncle. Où habite-t-il ? À Nuremberg. Oui, Nuremberg. Ces messieurs sont souvent partis en voyage ? Oui. Il est parti cet après-midi voir un client. À vrai dire, il ne devrait pas tarder. Est-ce que vous pourriez lui dire que nous aimerions lui parler et que nous l'attendons demain dans la matinée ? Au commissariat. Merci beaucoup. Bonne nuit. Et maintenant, quel est le programme ? On va se coucher pour rattraper notre sommeil en retard. Oh, bonne idée. Mais dépêchez-vous de filer avant que je change d'avis. Vous accepteriez de me raconter une histoire avant de m'endormir ? Mais bien sûr. C'est à la dame que j'aurais dû le demander. Siska, Anne, quoi de neuf ? En fait, Berlin, c'est un break qu'on a retrouvé. Où ? À Munich, c'est une patrouille qui l'a trouvé. La voiture avait été volée vers 20h30 au coin de la Bosse Strasse. Êtes-vous certain qu'il s'agit du bon véhicule ? Il y a des chances. D'après les dégâts qu'on a constatés, ça collerait parfaitement avec la voiture du parking à condition que les traces de peinture correspondent. Ah oui, bravo. Autre chose à signaler ?
Ah oui, une brosse à dents dans la boîte à gants. Si je comprends bien, notre meurtrier était assis dans la voiture. J'en sais rien. En revanche, j'ai la description de l'assassin. Dans ce cas, rendez-vous au bureau. Et où est Lorenz? Ah, voilà une bonne question. Il dort. Il s'est endormi sur le toit de la voiture. Curieux endroit pour dormir. Bouge le bras. Si la plaie ne s'affecte pas, ça devrait être guéri d'ici quelques jours. Tu serais capable de le reconnaître? Non, mais lui, il me connaît. Et s'il pense que je suis capable de l'identifier, il va me tuer, j'en suis sûre. Parce qu'il a déjà tiré plusieurs fois sur moi. Pourquoi tu ne vas pas tout dire à la police? Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Que j'ai piqué 200 000 shillings à mon patron pour essayer de faire sortir mon petit ami de tôle? Tu sais bien que c'est impossible. Et que je suis partie de chez moi pour ça. Pourquoi faire? Pour la caution. Mais pourquoi l'ont-ils enfermé? Une histoire de drogue. Et toi? C'est pas mon truc. Ça me branche pas du tout. Tu n'habites pas seule ici? Non, en fait, on loue à plusieurs. Tu penses que je peux rester ici quelques jours? Oui, bien sûr, pas de problème. Je suis seule, ils sont tous partis en vacances. Ah, je suis désolée, un homme, il a fallu que j'aille me chercher à manger. Ah bah, bon appétit. Ah bah, merci. Lorraine, c'est fatigué, je suis affamé. Ah bah, vos souhaits. Vous êtes enrhumé? Non, c'est de l'allergie. Arrêtez avec ça, un homme. Mais qu'est-ce qu'une ou deux soirées de garde par semaine? Justement, je voulais vous téléphoner pour vous rappeler de ne pas oublier de prendre votre brosse à dents. Oh non. Revenons à nos moutons. Le propriétaire de la voiture qui a été volée a vu de ses yeux le voleur monter dans son véhicule, démarrer et filer sans qu'il puisse faire quoi que ce soit. Ça doit être dur. Il mesure environ 1m80, est lancé, cheveux châtains, il porte des lunettes teintées, il a la quarantaine et il est d'apparence soigné. Laissez de côté l'aspect esthétique. D'après vous, combien de cadres élégants et portant des lunettes teintées se promènent dans Munich? La description n'est pas suffisante pour l'enquête. Bon, assez pour aujourd'hui. Non. On ne peut pas gagner à tous les coups. Une chose est certaine, c'est que c'était bien Vessel qui était visé dans cette affaire. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Allez, la voiture en question était un véhicule volé. Entre les sièges, on a trouvé ceci. Quelqu'un a dû perdre ce papier griffonné. Il s'agit de l'immatriculation de la voiture dans laquelle Vessel a été abattu. Mais ce qui veut dire qu'il ne s'agit sans doute pas d'une personne de son entourage. Selon vous, il connaissait son numéro et n'avait pas besoin de le noter? Oui. Seulement, Vessel n'a pas été abattu dans sa propre voiture, mais dans un véhicule de location. Je viens moi aussi à l'instant de le découvrir, lorsque j'ai pris la peine de vérifier le contenu du portefeuille de Vessel. Comme quoi, il vaut mieux y regarder à deux fois. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit tout de suite? Voyons, c'est ce qu'il y a, vous devriez savoir qu'on abat toujours son atout en dernier. Mon œil, pas à moi, Anne. Personne qui est la clé. Mais je l'espère. Quelle journée. Je ne t'attendais plus, à vrai dire. J'ai perdu un temps fou avec une cliente pénible. Dieu merci, elle a signé, alors que je n'y croyais plus. Oh, je t'en supplie, éteins ça, c'est une tristesse. Mais c'est de circonstance. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Arnaud est mort. La police était encore là il y a une demi-heure. La police criminelle, il a été abattu. Il faut que je boive quelque chose. Laisse, j'y vais. Et ça s'est passé où? Dans sa voiture. Vraisemblablement lors de son retour d'Innsbruck, sur le parking du restaurant Le Berntal. Mon Dieu, combien de fois il m'a entraîné là-bas et combien de fois j'ai dû l'y conduire. Moi aussi.
Oui, je m'en doute. Tiens. Merci. À quoi penses-tu ? Je serais incapable de te le dire. Apparemment, mon oncle ne comptait pas que des amis. Il y a quelque chose qui cloche. Si jamais il découvre qu'entre Arnaud et nous, c'était pas l'entente cordiale, nous allons faire partie des suspects. Mais je ne l'ai pas caché à la police. Oui, mais il s'agissait de millions. Plus de 2 millions de marques. Autant que ça ? Si on calcule bien, ouais. Ouais. En tout cas, j'en connais un qui ne sera pas fâché d'apprendre la disparition brutale de ce cher Arnaud Wessel. Wolf Céline ? Tu ne penses tout de même pas que c'est lui l'assassin ? Non, c'est impossible à imaginer. Pourtant, il aurait eu toutes les raisons de l'assassiner. Et que va-t-on faire ? Je suppose que tu meurs d'envie d'aller retravailler et de réintégrer ton ancien bureau. Oui, quelle question. Tu es la meilleure dans ton boulot. Alors à partir de demain, tu vas reprendre du service. Oh. Et l'opéra, c'était comment ? Merveilleux. Nous reparlerons de tout ça demain. Je suis mort de fatigue. Dommage qu'un harmonica ne soit pas importable. Sinon, nous saurions ce qu'elle aurait joué en dernier. Mon Dieu, tu as de ces idées parfois. Ah, un plan de la ville de Munich. Librairie de la gare d'Innsbruck, 72 shillings. À mon avis, elle vient d'Innsbruck. Parlez-moi plutôt de l'arme du crime. Il y a de grandes chances que ce soit un revolver Smith & Wesson. Nous avons 4 projectiles. Wessel a été touchée par une balle, quant aux autres, elles étaient vraisemblablement destinées à la fille. Et il devrait y en avoir d'autres si elle a vu l'assassin. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi elle ne va pas voir la police si elle se sent menacée. Elle a sans doute des raisons. Et nous, un second meurtre en perspective. Récapitulons. Nous cherchons un homme. 1m80 environ, élancé, cheveux châtains, la quarantaine, une apparence soignée. Mais qu'est-ce qui te fait rire, on peut savoir ? Oui. C'est parce que la description correspond à un certain commissaire ici présent. Mais c'est bien ce que je disais, c'est une description trop vague. Désolé, mais c'est tout ce que j'ai en magasin. La clé de l'appartement de Wessel ? Oui, ça vaudrait le coup de l'essayer. Allons-y, qu'est-ce qu'on attend ? Et dans la foulée, allons rendre une petite visite au neveu. Il est censé venir ici ? C'est ce qui s'appelle un changement de stratégie. J'aimerais bien aller voir mon ami qui est en prison. Ne serait-ce que pour savoir le montant de la caution. Seulement, je n'ose pas sortir seule. Tu veux bien m'accompagner ? Oui, à condition que ça ne dure pas trop longtemps. J'ai du boulot. Pendant les vacances, je travaille dans un café. Il faut absolument que j'y sois pour midi. Est-ce que tu reprends avec nous ? Attends, il faut que j'en parle avec ma patronne. Avec un peu de chance, je n'aurai pas de préavis à donner. On m'a sonné, qui ça peut être ? Oh, monsieur Céline. Quelle surprise. Tu es au courant ? Arnaud est mort. Je l'ai appris par la radio. Il a été assassiné. Oui, la police était là la nuit dernière. Qu'est-ce qu'il voulait ? Mais je t'en prie, entre nous. Bonjour. Ah, bonjour. Assieds-toi. J'étais pas là, c'est Sybille qui leur a parlé. Tu veux un café ? Non, merci. Ils m'ont demandé de passer au poste dans la matinée. Qu'est-ce que tu vas leur dire ? Aucune idée, tout dépendra de leurs questions. Rends-moi service. Ne parle pas de moi. Bon, bon. Tu peux me dire depuis combien de temps que tu n'as pas mis les pieds ici ? Oui, 5 ans. Je ne sais pas qui l'a tué, mais on devrait lui donner une médaille et passer l'éponge sur son geste. Tu ne devrais pas le claironner aussi fort. Ça n'a pas l'air d'être la grande forme. L'État s'intéresse à mon mobilier. Il sera saisi cet après-midi. Si tu veux, tu peux toujours habiter ici. Ton ancienne chambre est libre.
Ce serait possible? Ben, bien sûr. Jusqu'à ce que ça aille mieux. Bon, faut que j'y aille. Espérons que ça ne durera pas trop longtemps. À plus tard. Oh, mais c'est la police. Bonjour. La porte était ouverte. Ben ouais. Êtes-vous Holger Wessel? Oui. Je m'appelle Siska, police criminelle. Voici mon collègue Wiegand. Bonjour. 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 Et voici Wolf Céline, un ami. Il vient d'apprendre la nouvelle. Connaissiez-vous Arnaud Wessel? Oui. Bien, il faut que j'y aille. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je croyais que je devais venir au commissariat. Oui, mais entre-temps, nous avons changé d'avis. Je vous en prie. Merci beaucoup. Qui est donc ce monsieur Céline? Disons que c'est un peu le beau-fils d'Arnaud. Sa mère a été la compagne de mon oncle pendant 20 ans. Il est arrivé ici alors qu'il avait 10 ans à peine. En fait, nous avons grandi ici tous les deux. Et où est cette femme? Elle est décédée il y a 5 ans. Puis-je vous demander où vous vous trouviez hier soir? À Nuremberg, chez un client. Enfin, je devrais plutôt dire une cliente. À qui j'ai racheté un tableau. Tenez, nom, adresse, numéro de téléphone. Merci beaucoup. Et vous êtes rentré très tard à la maison? Oui, oui, très tard. Madame... Augustine. Exact, Madame Augustine nous a dit que vos relations avec Arnaud Wessel n'étaient pas des meilleures. Je sais, entre mon oncle et moi, ça n'était pas l'entente cordiale, loin de là. Et la cause de votre discorde était Madame Augustine, que votre oncle n'appréciait pas spécialement, si je m'abuse. Oui, c'est exact. Mais à la longue, j'imagine que ça doit être difficile à vivre. C'est supportable. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour tuer quelqu'un, si c'est ce que vous voulez savoir. Saviez-vous que votre oncle se déplaçait en voiture de location? Non. Si, en fait. Sa voiture était en révision. Commissaire, serait-il possible que nous continuions cette conversation à mon bureau? Je dois l'ouvrir, je n'ai personne sur place. Oh, cela va de soi, bien sûr, bien sûr. Mais avant cela, j'aimerais bien jeter un œil au bureau de votre oncle. Avez-vous une clé? Non. Je crois bien que j'en ai une, il faut que je vérifie. La date du jugement n'a toujours pas été fixée. À combien se monte la caution? Oh, j'arriverai jamais à réunir une telle somme. Combien? 50 000 marques. Sacrée somme. Ce qui veut dire que c'est un récidiviste. Oui, et c'est le cas. Sacrée collection. Tout est d'époque, je parie. Que cherchez-vous au juste? Aucune idée. Quelques indices susceptibles de nous aider à progresser. Vous n'avez aucun message. C'est plutôt bizarre pour un homme d'affaires qui a quitté son domicile depuis 3 jours, vous ne trouvez pas? Y a-t-il un coffre-fort? Oui, mais je ne connais pas la combinaison. Voilà. Vous avez l'air de bien connaître les lieux. C'est normal, j'ai vécu plus de 4 ans ici avec Arnaud. Et la dispute s'est produite lorsque vous lui avez préféré son neveu? N'exagérons rien, c'était une relation platonique. Qui ne vous a pas empêché de déménager à l'étage supérieur? Ça n'a pas été aussi simple que ça. Je n'étais pas pour cette solution. Je savais pertinemment que ce serait une source de problèmes. Mais c'était une des conditions d'Holger. Ça s'est passé quand? Il y a 3 mois environ. Et après cela, vous n'avez plus remis les pieds dans cet appartement? Non. J'avais même oublié que j'avais encore la clé. Et qui s'occupe de l'entretien de cet appartement maintenant? Y a-t-il une femme de ménage? Il l'a mise à la porte il y a 3 semaines. Et qui fait le ménage ici? Une nouvelle femme de ménage qui vient 2 fois par semaine. Une décision du tribunal. Céline contre Wessel. Mais Céline? Oui. Que fait-il? Il est traducteur, anglais et espagnol. Il a une petite agence de traduction. Je peux? À quoi bon le demander? Elle a menti, c'est évident.
Et elle avait son collier autour du cou hier soir. Alors pourquoi on ne l'a pas confondu tout de suite? Tant qu'on n'a pas de mobile, mieux vaut la laisser mariner le temps de découvrir pour quelle raison elle a menti. Ceci étant, j'aimerais bien savoir ce qu'elle cherchait. Ouais. C'est un risque à prendre. Nous verrons bien. Allez. Vous avez vu ça? Joli minois. Oui, c'est la jeune fille. Le restaurateur a donné une bonne description. Y a-t-il des pistes? Bah, Munich, en revanche, j'ai ça. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un titre de transport, mon cher. C'est le patron du Berntal qui l'a porté ce matin. Un de ses employés l'a trouvé en faisant le ménage sur la table où Arnaud et la fille y avaient dîné. Je vous avais bien dit ce matin qu'elle venait d'Innsbruck. Était-ce vraiment nécessaire? Quoi? De proposer à Wolf Céline de venir habiter chez nous. Oui, pourquoi? Je n'aimerais pas qu'il s'incruste indéfiniment. Tu dois bien ça au nom de notre vieille amitié. Nous avons été élevés ensemble. Mais il risque d'avoir de nouvelles exigences. Oui, et alors, on avisera en temps utile. Je vous dérange? Non, absolument pas, commissaire. Je vous attendais. J'ignorais que vous étiez aussi lié professionnellement. De nouveau, c'est tout récent. Pour tout vous dire, Sybille a travaillé au bureau il y a de cela 3 mois, jusqu'à sa brouille avec Arnaud. Ah oui, et vous en profitez pour rattraper le temps perdu, est-ce que je vois? C'est exact. Je vous en prie. Merci. Avez-vous dirigé cette entreprise conjointement avec votre oncle? Que voulez-vous dire? Arnaud Wessel était un marchand d'art compétent et réputé. C'était un expert de renom, expert auprès des assurances et des grands musées, mais il était tellement occupé qu'il m'a confié l'entreprise en me laissant carte blanche. Ces derniers temps, avez-vous eu des raisons de penser que sa vie était menacée? A-t-il eu des problèmes? Des problèmes sérieux sur une affaire, par exemple? Vous savez, des problèmes, il y en a toujours. Mais en réfléchissant bien, oui, en effet, il y a 4 ou 5 ans, il a eu des ennuis assez sérieux. Excusez-moi, mais c'est peut-être un peu plus loin dans le temps. Il y a prescription. Mais pensez-vous qu'il soit possible que le coupable fasse partie de son environnement professionnel? Oh, c'est tout à fait possible, oui, en effet. Seulement, il se gardait bien de me faire ses confidences. Mais il a... sentimental, une déception amoureuse, un mari jaloux, une promesse non tenue? Non, je doute que ce soit d'ordre sentimental. Oui, merci beaucoup. Vous ne m'avez pas été une grande aide. Je suis vraiment désolé. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus. Une dernière chose. Votre oncle était un homme extrêmement riche. Qui va hériter de sa fortune? Moi, je l'espère. Je suis sa seule famille. Au revoir. Maintenant, il faut que j'y aille. Je te dépose à la maison. Oui, merci. Alors, comment tu le trouves? Oh, super. Est-ce que tu sais y jouer? En fait, c'est pour mon ami. J'avais la sienne dans mon sac. Et comme il a disparu... Tu vois la voiture là-bas? Mm-hmm. Où est le métro? Attends, où est-ce que tu vas? Ce matin, chez Olga Wessel. Vous déménagez? Non, j'ai vendu mes meubles à ces chers huissiers. Vous voulez me parler d'Arnaud Wessel? Oui. J'aimerais bien vous recevoir dans mon appartement, mais le spectacle est désolant. Il y a un petit bistrot à côté. Comme vous voulez. Tout recours m'était impossible, puisque c'était déjà la dernière instance. Et puis, je n'avais pas l'argent pour payer. J'étais ruiné par les avocats et les frais judiciaires. C'est un engrenage infernal. Plus de meubles, plus d'honneur. Est-ce qu'Arnaud Wessel est à l'origine de votre ruine? J'ai jamais dit ça. Bien. Revenons-en au fait. Arnaud Wessel a été abattu hier soir vers 23h. Où vous trouviez-vous à cette heure-là? J'ai pris congé de mes meubles. Et je me suis saoulé. Est-ce que quelqu'un est venu partager votre détresse? Non. Un voisin, vous aurait-il aperçu? Non. Avez-vous téléphoné à quelqu'un? Désolé, mais je ne me rappelle rien. Ça risque d'être problématique pour vous.
Si vous n'avez personne autour de vous qui puisse le confirmer, le fait de prendre congé de vos meubles n'est pas un alibi. Mais ça aussi, c'est votre problème. Si c'est quelqu'un d'autre, je n'ai pas besoin d'alibi. Ah oui, là, vous avez raison. Où allez-vous habiter? Chez un ami. Holger Wessel? Oui. Excusez-moi. Siska? Oui, Anne, que se passe-t-il? Mais je n'ai pas convoqué elle. Bon, j'arrive tout de suite. Monsieur Céline, pour l'instant, nous allons rester là. Je propose que nous refassions un essai. Demain, dans le courant de l'après-midi au poste, est-ce que c'est possible? Oui. Au revoir. Au revoir. Bon, combien je vous dois? 7 marques 50. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Veuillez fermer les stores, s'il vous plaît. Elle est en face? C'est ça. Elle refuse de me parler. Elle ne me fait pas confiance. Apparemment, elle doit penser que je suis le grouillot de service. Et Vigante n'est pas revenu? Non. Bonjour. Bonjour. Vous avez enfin décidé de dire la vérité? Oui, sur vol, Céline. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. J'ai pensé qu'il était préférable que je vous dise certaines choses concernant Wolf Céline avant que vous ne suspectiez Holger Wessel. Parlons plutôt de vous. C'est bien vous qui nous avez dit que vous n'aviez pas mis les pieds chez Arnaud Wessel depuis 3 mois. Oui. Ce qui n'était pas la vérité. Vous nous avez menti. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ce collier faisait par terre devant le bureau? C'est bien le vôtre, n'est-ce pas? Oui, mais ça fait peut-être des semaines qu'il y était. Non, c'est impossible. Car vous le portiez encore hier soir. Je dois même dire qu'il vous allait plutôt bien. Et la femme de ménage vient 2 fois par semaine. C'est bien ce que vous avez dit. Excusez-moi. Oui. D'accord. Un petit instant, s'il vous plaît. Alors, il y a du nouveau? Cette lettre-là, de Sybille à Arnaud, elle était dans la cuisine, non décachetée. La femme de ménage a dû la trouver après le départ de Wessel. C'est un véritable roman. Bon, où en étions-nous restés? Merci beaucoup. Ah oui, j'y suis, le fameux collier. Bien, on n'en a plus besoin. Est-ce que c'était votre lettre que vous cherchiez chez Arnaud Wessel? Et d'après le contenu de ce courrier, Wessel aurait menacé de changer son testament et de déshériter son neveu. Ben oui, ça paraît évident. À combien se monte cet héritage? Je n'en sais rien. Mieux vaut le demander à Holger. Je ne manquerai pas de le faire. Il est écrit, si jamais tu fais ça, je n'hésiterai pas à parler. Il s'agit d'affaires? Et quelles affaires? Madame Augustine, je vous ai posé une question. Avec quoi teniez-vous Arnaud Wessel? Ça fait des années qu'Arnaud était impliqué dans des affaires criminelles. Il faisait partie du milieu. Dans quel genre d'affaires? Fausses expertises, faux certificats d'authenticité, marchandises volées, recel et surtout sa spécialité, contrebande d'icônes russes. Et où sont les preuves? À la banque, dans un coffre. Est-ce qu'Holger Wessel est au courant? Oui. Bien. Madame Augustine, si vous voulez nous exposer les raisons pour lesquelles Wolf Céline aurait tué Arnaud Wessel, adressez-vous à mon collègue Anne, qui se fera un plaisir de vous écouter. Merci beaucoup. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Alors? À partir de maintenant, Monsieur Wessel et Céline ne feront pas un pas sans nous. Une filature? Oui. Si l'un d'eux est l'assassin, il nous conduira obligatoirement à la fille. Pour l'éliminer en tant que témoin. Exact. Tant que nous ignorons où elle se cache, c'est la meilleure protection pour elle. Génial.
Mais calme-toi. Mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? J'en peux plus. Allez, viens, viens. Demain, je vais à la police. Ouais. Tu vois quelque chose? Volontiers. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait savoir à combien s'élevait l'héritage de mon cher oncle défunt. Et si un meurtre pouvait être rentable? Oui. Ce qui l'intéressait, c'était de savoir si j'étais au courant du fait qu'Arnaud voulait me déshériter. Ouais, et alors? Qu'est-ce que tu lui as répondu? Est-ce que tu te rends compte du risque que tu as pris? Si ça se trouve, c'était un piège. Et alors, on verra. Tu restes dîner avec nous? Je suis incapable d'avaler quoi que ce soit. J'ai l'impression que je ne m'en sortirai jamais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils me soupçonnent. Je dois aller au poste demain pour leur dire où j'étais quand Arnaud a été tué. Et je n'ai pas d'alibi. Un alibi? Mais moi j'en ai un et malgré ça, ils me soupçonnent. Es-tu certain qu'Arnaud n'a pas modifié son testament? Ah oui, certain. C'est mardi prochain qu'il avait rendez-vous chez le notaire, mais ça ne se fera plus maintenant. Comment es-tu au courant? Son répondeur téléphonique. Sibyl a écouté le message et elle l'a effacé tout de suite. C'est parfait. Il tient toujours notre arrangement? Je tiendrai ma promesse. Quand a lieu l'enterrement? Demain. Sans moi. Je trouve ça plutôt réussi. Nous avons au moins une photo récente. Birgit Farner, 20 ans, elle vient d'Innsbruck. Elle travaille dans un bureau d'architecte et elle a piqué 200 000 shillings dans la caisse de son patron. Bon, il faut activer les recherches. Et il va falloir tout mettre en œuvre pour la retrouver, ça va peut-être nous aider. Et pour la surveillance? On la maintient. Vous étiez encore chez Holger Wessel hier soir? Oui. Si on arrive à réfuter son alibi, c'est un coupable en puissance. Meilleur alibi que le sien, c'est difficilement imaginable. Il tient pas la route. Nous n'avons pas pu joindre la fameuse cliente de Nuremberg. Ah. Nous verrons bien. Mm-hmm. Le mieux, c'est d'attendre. Allez, écrivez. MZR3277. C'est une immatriculation? À votre avis. Écrivez. Vous pouvez répéter? M comme Martha, Zeppelin, Richard, 3, 2, 7, 7. Une petite pause. Je vous assure qu'il est coriace. Il s'est mis à table? Est-ce que le graphologue est dans la maison? J'aimerais une comparaison d'écriture. D'accord, c'est parti. Qu'a-t-il dit? Ah, que sa mère avait été pendant plus de 20 ans la compagne d'Arnaud Wessel. Et que durant toute cette période, ce cher Wessel a fait en sorte de le dépouiller de ses biens. Céline a intenté plusieurs actions en justice contre Wessel, mais il les a toutes perdues. Et aujourd'hui, il n'a plus rien. Oui, je sais, j'étais présent quand ils sont venus saisir son mobilier. Mais ce n'est pas une raison pour tuer quelqu'un. D'après lui, ce meurtre n'est pas une si mauvaise affaire. Car Holger Wessel, l'héritier en titre de Wessel, lui aurait promis que dans ce cas-là, il la dédommagerait généreusement pour le tort que lui avait fait son oncle et l'indemnité en question s'élèverait à 2 millions de marks. C'est pas vrai, il vous a dit ça? Eh oui, soit il est naïf, soit... Sans scrupules, tout simplement. Ben oui. Merci. Ce sont des copies ou sont les originaux? Dans le coffre d'Arnaud Wessel, je suppose. Oui, oui, c'est vrai, vous ne connaissez pas la combinaison. Et puis ça fait plus de 3 mois que vous n'avez pas mis les pieds chez lui.
Je ne comprends pas comment ce genre de choses a pu rester secret aussi longtemps. Monsieur Siska, téléphone pour vous. Ah, prenez-moi ça. Oui. Par ici. Oui. Ah, ben c'est pas trop tôt, merci. Nous sommes déjà partis. C'était Anne. Birgit Farner s'est manifestée. Hein, venez. Au revoir. Vous êtes de la police? Oui. Je peux voir vos papiers? D'accord. Birgit Farner? Siska, police criminelle. Voici mon collègue Wiegand. Bonjour. Qui êtes-vous? Claudia Roth. On peut entrer? Pourrais-je jeter un coup d'œil à la chambre de Mademoiselle Farner? Ce que vous venez de faire là n'était pas très intelligent. Je sais. Seulement, j'ai eu peur d'aller voir la police. À cause de cet argent volé? De 100 000 shillings, il n'y a pas de quoi risquer sa vie pour ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Une éraflure de balle. Ben allez-y, racontez-moi tout. Dans la vie comme dans la mort, nous sommes tous frères. Jésus-Christ, notre Seigneur, est mort et ressuscité pour devenir le Seigneur des vivants et des morts. Amen. Dieu, notre Père, ayant décidé de rappeler à toi notre frère Arnaud Wessel, nous allons ensevelir son corps en terre. Dieu d'amour et de bonté accepte de prendre dans ton sein la dépouille de notre frère bien-aimé, Arnaud Wessel. Notre frère Arnaud, poussière tu es. Poussière, tu retourneras pour des siècles et des siècles. Est-ce que vous reconnaissez quelqu'un? Par Dieu notre Père Tout-Puissant, amen. Oui. Que la paix soit avec toi. C'est l'homme que j'ai vu l'autre soir près du restaurant. Fils et du Saint-Esprit, amen. Êtes-vous certaine qu'il s'agit de l'homme qui vous a tiré dessus? En tout cas, il portait les mêmes lunettes. Oui, à mon avis, c'est lui. Et Wiegand, il y a un homme qui va sortir. Je vais vous donner sa description. Et venez. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes en état d'arrestation. Monsieur, est-ce que je pourrais voir vos papiers, s'il vous plaît? Soit vous cherchez dans la poche gauche de ma veste, ou vous dites à ces deux hurluberlus de me lâcher. Carsten Hansch, brigade des stupes. Désolé, mais je l'ignorais. On a été informé qu'une grosse quantité de drogue devait quitter Innsbruck pour Munich, alors on est sur le qui-vive. Mettez-vous à notre place. Mais on sait ce que c'est. Eh ben, nous avons des raisons de croire que cette fille est mêlée à cette affaire. Moi? Non! Cette jeune fille vient d'être le témoin d'un meurtre et nous n'aimerions pas que la brigade des stupes s'y mise dans notre enquête, si vous voyez ce que je veux dire. Je comprends, cher collègue. Surveillez bien cette demoiselle. De toute façon, j'ai l'intention de faire un rapport. Faites donc. Bonne journée quand même. Merci. Mademoiselle Farner, je suis désolé, mais il va falloir que nous prenions note de votre déposition. C'est mon collègue Wiegand qui va s'en charger. Anne, pendant ce temps, nous allons demander une protection rapprochée 24 heures sur 24 pour cette jeune demoiselle. Ce serait tellement plus simple de la garder ici. Par ici, s'il vous plaît, c'est à côté. Vous voulez boire quelque chose? Est-ce que je pourrais récupérer mes papiers? De quels papiers parlez-vous? Les miens, bien sûr, ils sont dans mon sac. Il y a un petit carnet d'adresses où je note tout.
Il a disparu. Alors si ce n'est pas vous qui l'avez... C'est l'homme qui a tué Vessel qui l'a. Que contient ce petit carnet? Des noms, des adresses et des numéros de téléphone. Des personnes qui se trouvent à Munich? Uniquement deux. Il y a les coordonnées de ma sœur et de mon amie Claudia Roth. C'est la jeune femme qui vous héberge? Et où se trouve votre sœur en ce moment? Elle est en vacances en Grèce. Bon, on y va. Le meurtrier connaît son nom. Il sait où elle habite. Mais il ne s'est pas encore manifesté. Parce qu'il est persuadé qu'elle ne le reconnaîtra pas ou qu'elle a confondu avec quelqu'un d'autre, en l'occurrence Hansch. C'est ce qu'il pense. Mais il n'en a pas la certitude. Qu'est-ce que vous manigancez au juste? Nous n'avons pas le droit de ne pas révéler qu'un témoin a assisté à un meurtre. Un témoin en mesure de décrire l'assassin? Exact. Appelez Vessel et Céline, qu'ils viennent demain au poste pour une confrontation. Vous pensez que ça va marcher? Oui. Celui qui redoute que Birgit Farner pointe son doigt sur lui pendant la confrontation n'attendra pas ce moment, c'est évident. Il risque de craquer avant. Anne, que se passe-t-il? Vous vous êtes endormi, ma parole? Non, je ne suis pas bien loin. Pour l'instant, rien à signaler. J'espère que vous n'avez pas fait un mauvais calcul. Une minute. Quelqu'un sort de la maison. Qui? Pour l'instant, je ne peux rien vous dire. C'est Céline. Il part à pied en direction de l'arrêt d'autobus. C'est un problème? Non. Bon, allez, on y va. Arrêtez! Ah, ça y est, voilà le problème. Holger Vessel quitte à son tour la maison. Il se dirige jusqu'à sa voiture. Il monte dedans. Allez, part dans la direction opposée. Vous allez y arriver? Oui, on va improviser. Allez, descendez et suivez le piéton. Faites vite! Moi, je m'occupe de Vessel. Un café? Non, merci. Je suis assez nerveuse comme ça. Ne vous en faites pas, il ne vous arrivera rien. Faut-il s'occuper de l'homme devant la maison? Non, surtout pas, surtout pas. Ce n'est pas le moment de rendre notre visiteur méfiant. Il va falloir l'obliger à utiliser l'échafaudage de la façade arrière pour monter. Et comment peut-il savoir que nous sommes au premier étage? À mon avis, il a déjà contrôlé. Et dès qu'il verra ceci, il viendra. Parce qu'il l'a déjà mis dans son sac de voyage. Chers collègues, il va falloir refaire une mise au point. Je vais te préparer une table. Tu as de la monnaie? Tu veux de la monnaie? Alors, attends voir.
Tiens, voilà, ça ira. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Vous prendrez bien un petit apéritif maison. Comme ça, je vais réfléchir. Birgit Farner, j'écoute. Allô? Allô? Personne au bout du fil. Très bien. Maintenant, il sait que vous êtes là. C'est pas vrai. Où l'avez-vous vu pour la dernière fois? À la station de métro Dieselstrasse? Décidément, c'est pas mon jour. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Pourquoi? Ça ne va pas? Ah, y a rien qui aille comme je veux. Tiens, vous m'entendez? Mais parfaitement, mon cher. Ça m'étonne parce que moi, je vous entends très mal. La communication est très très mauvaise. Que s'est-il passé? Nous avons laissé tomber les filatures. Volontairement? Pas tout à fait. Holger Wessel nous a filé entre les doigts dans un restaurant de Schwabing. Et Céline? La dernière fois qu'on l'a vu, c'était à la station de métro Dieselstrasse. C'est la Bérésina? Mais j'en suis le premier, désolé. Vous en serez quitte. Pour quelques cheveux gris? Mais c'est pas si grave, notre calcul s'avère tout de même juste. L'un des deux vient d'appeler à l'instant pour s'assurer que Birgit Farner était chez elle. Ah ben ça, au moins, ça me redonne un peu d'espoir. Bon, à plus tard. À plus tard, allez, on est reparti. C'est parti. J'ai rien à vous expliquer. Non. Arnaud Wessel a ruiné ma vie. Mais il a payé pour ça. Embarquez-le. Comme dans les films, dommage que j'ai raté le meilleur. Je doute que vous fanfaronniez comme ça lorsque votre père arrivera. Je viens de l'appeler et il ne devrait pas tarder. Oui.
Inutile de me regarder comme ça, j'ai rien pu faire. Mais l'avis d'extradition est une loi naturelle entre l'Allemagne et l'Autriche, et une des plus anciennes. Mais une loi naturelle. Oui, c'est exact. Ah oui.